tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour confectionner quelques enveloppes décorées. J'ai quelques envois de prévus et c'est quelque chose que j'aime énormément faire, c'est décorer mes enveloppes. Voilà, je trouve que lorsque on ouvre la boîte aux lettres et qu'on a une belle enveloppe qui nous attend à l'intérieur, je trouve que eh bien ça fait du bien. Donc en règle générale, je décore toujours mes enveloppes et j'avais envie voilà de partager quelques enveloppes avec vous. Je le ferai peut-être un petit peu plus parce qu'il y a plein de techniques hein, pour décorer ces enveloppes. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter sur deux techniques bien spécifiques. Je vais en faire une pour chaque avec vous et puis je vais vous montrer celle que j'ai déjà préparée. Alors, avant de commencer, je voulais vous prendre en direct, en gros, pour vous expliquer les dimensions de mes enveloppes. Vous allez voir que en début de vidéo, je vais redimensionner mon enveloppe et je voulais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est des enveloppes toutes bêtes qui viennent de chez Action. Et celle-ci mesure à l'origine, on va dire, 22,5 par 16. Voilà, 22,5 par 16. Donc j'achète ces lots d'enveloppes et je les redimensionne. Pourquoi? Parce que ici, alors pour celles qui ne le savent pas, j'habite en Belgique. Et ici en Belgique, le service de la poste s'appelle Bipost. Et ils sont... très tatillon, on va dire, pour rester poli, sur les dimensions des enveloppes. Je me suis fait avoir quand je suis arrivée, parce qu'à l'époque, ça fait 10 ans que je suis en Belgique. Alors, ça a peut-être changé depuis, mais en France, quand j'étais en France et que j'envoyais du courrier, on mettait un timbre, peu importe les dimensions de l'enveloppe, à partir du moment où on dépassait pas le poids autorisé, on pouvait mettre une petite, une grande, une enveloppe carrée, bref, rectangulaire, ça n'avait pas d'importance, on mettait un timbre, si on n'avait pas dépassé le poids, l'enveloppe arrivait. Ici en Belgique, c'est pas le cas. Alors, le poids est réglementé, il faut pas dépasser les 50 grammes, mais les dimensions sont réglementées aussi. Il ne faut pas que votre enveloppe, il y a un minimum. Alors le minimum, je l'ai noté, c'est 90 cm de hauteur. Non, c'est oui, 90 cm de hauteur par 140. Voilà, ça c'est la taille minimum. Et la taille maximum, c'est 125 mm ou 12,5 cm par 23,5 cm. Voilà. Vous avez, il faut être dans cette fourchette. Si vous n'êtes pas dans cette fourchette, vous êtes, ils considèrent que votre envoi est en non normalisé et du coup, ça vous coûte 3 timbres pour un envoi. Voilà. Donc, personnellement, quand je fais un envoi, eh bien, je vais aller au bout du bout du bout que je peux dans l'enveloppe, c'est-à-dire que alors je garde la longueur puisque je peux avoir 23,5 et puis là elle fait à peine 23, donc je suis bon dans la longueur. Par contre dans la hauteur, je vous ai dit qu'elle faisait 16, donc si je l'envoie comme ça, je suis obligée de mettre 3 timbres. Du coup, vous allez voir, je la découpe et puis je fais en sorte qu'elle fasse 12 cm. Je peux aller jusqu'à 12,5, mais voilà, je préfère toujours garder une petite marge. C'est pour ça que je redimensionne mes enveloppes. Deuxième petite chose à savoir, pour celles en tout cas qui habitent en Belgique, ils sont tatillons sur le poids, sur la dimension, et ils sont aussi tatillons sur ce qu'on pourrait mettre en décoration sur l'enveloppe. J'ai eu beaucoup de courriers qui me sont revenus et il a fallu que je cherche pourquoi ces courriers me revenaient.
Alors, il faut pas, il faut mettre ces décorations à un certain endroit. Il faut laisser la partie adresse bien visible, la partie timbre bien visible. Il faut bien mettre son adresse en haut. Bref, donc ça, je le respecte. Et il ne faut absolument pas mettre de chiffres ni d'écriture, quelle que ce soit, dans votre partie décoration. Sinon, votre enveloppe ne passera pas. Et elle vous sera renvoyée. Donc j'évite, voilà, de mettre des tampons de fond, par exemple écriture, ou avec des chiffres. J'essaye, voilà, de faire très attention parce que je vous dis, j'ai eu pas mal de courriers qui me sont revenus. Voilà. Donc vous allez voir, je garde bien. Hop, je vais vous montrer celle-ci par exemple. Je garde bien une partie où je décore mon enveloppe, la partie adresse, la partie timbre et puis la partie ici pour venir mettre mon adresse. Voilà. Alors je vous ai dit que j'allais faire comment je pourrais dire ça, deux styles ou en tout cas utiliser deux choses bien différentes pour voilà pour décorer mes adresses, pas du tout mes enveloppes. Alors je vais déjà faire avec vous une première enveloppe où je vais utiliser le washi tape maison que je fais. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc je trouve que c'est un moyen super efficace, super rapide pour faire des décorations d'enveloppes, c'est d'utiliser son washi tape comme fond. Voilà, donc j'en ai fait trois exemples. Oui, et puis je vais en faire une enveloppe avec vous. Donc vous voyez, ici c'est le washi tape blanc avec des écritures, enfin du graphisme noir. Et puis ici des washi tape différents. Ici je suis venue rajouter du washi tape noir et blanc et puis simplement un petit tamponnage en noir et blanc. Généralement je viens pas trop coloriser les petits tamponnages que je viens mettre dessus, voilà, pour voilà adoucir, temporiser le fond. Je suis venue rajouter une petite fleur et puis j'aime bien venir mettre un petit papier de fond qui rappelle les couleurs reprises dans la décoration. Ici, c'est des fleurs embossées à chaud que je suis venue coller. Et puis, j'aime bien venir faire un petit rappel à l'arrière et un petit mot également à l'arrière. Et puis ici, ce sont des tamponnages étoiles. Alors j'ai simplement rajouté un petit peu de doré, de stylo gel doré. Et puis je suis venue mettre du glossy accent par-dessus. Et le petit rappel à l'arrière. Et puis je vais également utiliser des distress oxydes. J'aime beaucoup utiliser les distress oxydes. Hop, alors ici j'ai fait simplement voilà un petit décor à l'arrière avec un tamponnage que j'ai fait à l'aquarelle que je suis venue coller par-dessus. Voilà, je suis venue répéter les petits feux d'artifice. Ici ma belle Frida que j'ai colorisée au feutre à alcool, donc sur un papier très fin. À l'arrière des feuilles. Hop. Je suis venue faire un rappel sur l'arrière de l'enveloppe. Et puis ici, c'est un fond au distress avec de l'embossage à chaud, blanc pailleté. Voilà. Et un petit mot derrière. Voilà. Donc, je vous disais, je vais faire une enveloppe avec vous, avec le washi, les distress oxydes. Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera plein d'idées et puis que voilà, que en tout cas si vous êtes belge, que ça vous aura je vous aurais peut-être appris deux trois trucs sur les envois postaux belges et puis pourquoi pas que ça vous aura donné envie vous aussi de décorer vos enveloppes. Allez, on passe tout de suite à la première enveloppe que je vais faire avec vous.
Donc, je vais commencer par vous montrer comment je procède pour raccourcir mon enveloppe. Je mesure simplement 12 cm. Je la coupe, je vais biseauter un petit peu sur les côtés pour que ce soit plus simple pour faire rentrer le fond de l'enveloppe et je vais venir mettre un point de colle. Voilà, ni plus ni moins. Il peut m'arriver aussi de mettre du scotch, mais quand je veux venir travailler par exemple avec la distress oxide, bah sur le scotch ça fonctionne pas, donc je préfère venir mettre de la colle. Mais il peut m'arriver aussi de mettre du scotch si je viens faire du collage par exemple, ou voilà. Et mon enveloppe est prête. Ici, je vous montre des washi que j'avais donc confectionnés, que je ne peux pas utiliser puisqu'il y a des numéros et même des petits écrits. Donc, du coup, je fais bien attention de prendre du washi neutre entre guillemets. Et puis, je vais venir mettre 4 bandes sur le côté gauche de mon enveloppe et ça va tout de suite me créer le fond. Le fond de ma décoration. C'est très rapide et puis j'aime bien ce procédé. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps par exemple et qu'on a un envoi rapide à faire, j'aime beaucoup utiliser le washi parce que c'est très rapide. Après, je viens rajouter un petit tampon. Ici, je vais prendre ce tampon de cette jeune femme en pleine méditation de chez Graffiti Girl. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne les colorise pas. Ça vient tout de suite temporiser un peu le fond qui est déjà très coloré, où il y a beaucoup de dessins. Et puis, j'avais envie de lui mettre quelque chose au niveau de la tête. Alors, j'ai plusieurs die-cuts, des die-cuts Graffiti Girl. Ici, ce sont des die-cuts de chez Art by Marlène. J'ai même quelques die-cuts de chez Schwenflower. Voilà, j'avais envie de mettre quelque chose qui lui fasse comme une couronne au-dessus de la tête. Donc, je vais longtemps hésiter entre ces deux die-cuts, mais je vais finir par me décider. Sur celui-ci, je viens simplement coller avec ma Tacky Glue Turbo pour être sûre que ça colle bien, que ça ne, que voilà, que ça résiste quand même à l'envoi. J'essaye toujours de faire attention à prendre des papiers plus ou moins fins parce que ça rajoute tout de suite du poids. Alors ça fait partie de mon envoi puisque c'est une création. Comme celle que je peux mettre à l'intérieur. Donc ça fait quand même partie de mon courrier créatif. Mais j'essaye voilà d'éviter de mettre trop de poids par exemple pour le papier aquarelle. Je vais plutôt privilégier le 200 grammes plutôt que le 300. Donc je fais un petit peu attention à pas mettre. J'ai 50 grammes, voilà, je dois pas dépasser les 50 grammes, donc je vais pas mettre, admettons, 30 grammes dans la décoration de l'enveloppe pour ne plus rien avoir à mettre à l'intérieur, c'est ce que je veux dire par là. Je viens rajouter un petit peu de gel pailleté doré et puis je vais vous montrer les petits papiers que j'aime bien utiliser pour mettre derrière. Le papier blanc où je vais venir noter l'adresse, c'est des petits papiers que l'on trouve chez Action qui sont très très légers, ils font 120 grammes donc c'est parfait. Je prends un carré qui fait 10 par 10, très souvent coloré ou avec un motif et puis sur le dessus j'aime bien venir rajouter la plupart du temps un papier blanc, mais là je vais venir rajouter ce papier rose et là je fais un carré qui fait 9 par 9. Voilà, tout simplement. Avec du double face, je vais venir coller tout ça et puis ce sera l'emplacement pour venir noter mon adresse. Donc je le positionne bien en bas à droite pour respecter les consignes de Bipost. Je retourne et j'aime toujours faire un petit rappel, voilà, à l'arrière de l'enveloppe. Ici, c'était des washi tape, pareil que j'avais fait où j'avais mis des mots
Alors je vais venir prendre un papier, le même papier de fond que j'avais utilisé devant pour faire un petit rappel. Donc je vais venir le coller avec simplement un bâton de colle et puis je vais venir mettre mon petit mot où il y a écrit peace. Et puis la première enveloppe avec les washi est terminée. Pour la deuxième, je pars donc avec des distress oxydes. Alors j'aime bien utiliser les distress oxydes parce que c'est sec, donc ça fait pas trop gondoler le papier, mais j'utilise aussi plein d'autres. Je peux utiliser de la gouache, de l'acrylique, ça ne me dérange pas. Mais ici, je vais utiliser donc les distress oxydes. Donc je vais venir mettre quelques couleurs un peu, voilà, sans vraiment. D'ordre bien précis, donc il y a un violet, un rose, un bleu, un vert, un jaune, et puis je vais venir faire voilà les trous, un tiers, oui, c'est à peu près ça, un tiers de mon enveloppe avec ces couleurs que j'essaye un peu de mélanger entre elles, mais sans trop non plus insister, vous allez voir, donc ce sera le fond de mon décor. Et puis une fois que j'aurai apposé toutes mes couleurs, je vais venir ici faire tout un décor avec de la versafine et des tampons, un peu style Lavinia. C'est un compte que j'aime beaucoup, une marque de tampons aussi que j'aime beaucoup. Je rajoute quelques petites gouttes d'eau pour faire réagir l'oxyde. Je sèche un petit peu au heat gun et je vais passer au tamponnage. Alors, c'est un tamponnage feuille que je vais venir tamponner avec la Versafine. Alors, c'est pas la noire, c'est la bleu foncé qui s'appelle Crépuscule. Oui, voilà, c'est ça, Crépuscule. Donc, c'est un petit peu moins fort que le noir, c'est un petit peu plus doux, je trouve. Donc, je vais venir faire tout un décor avec ces branchages. Et puis, j'hésite pas à venir retamponner une deuxième fois. Ça fait un tamponnage un petit peu plus clair. J'aime bien le faire. Ça apporte un peu de relief, en fait, au décor qu'on est en train de créer, comme quand on regarde à travers un feuillage, à travers un arbre en fait, dans la nature, il y a les feuilles qui sont au premier plan, donc qui sont un peu plus marquées, un peu plus foncées, et puis vous avez tous les branchages à l'arrière de ce premier plan, donc qui sont moins nets, qui sont moins apparents. Donc ça apporte de la profondeur au niveau du paysage, au niveau du fond. Ensuite, je vais utiliser ces champignons qui sont donc de la marque Lavinia. Donc je vais faire exactement le même principe, un tamponnage bien marqué pour marquer l'avant de ma composition, le premier plan de ma composition, et puis un tamponnage un peu plus léger qui marquera l'arrière-plan. Là, j'utilise la Nocturne, la Versafine noire. Et puis une petite fée également qui vient de chez Lavinia, que je vais venir poser sur le haut d'un petit champignon. Comme j'aime le faire, je vais venir ensuite rajouter du noir. Alors là, avec ma Distress Ink, je vais venir rajouter sur le contour pour faire un effet vignettage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça attire l'œil sur le centre de la composition. Et puis, je vais venir m'occuper. Avant, je vais venir mettre quelques petites gouttes de Posca, parce que c'est une petite fée, donc c'est féerique. Je sèche tout ça, et puis je trouvais que ce petit papier de fond dans les tons de violet allait assez bien avec la petite fée. Donc je vais venir voilà faire
mon espace adresse d'expédition avec ce papier violet. Donc pareil, toujours en bas à droite. Et puis à l'arrière, je vais simplement venir faire un petit rappel avec mes distress oxydes et puis mes petits tampons champignons. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je ferai quelques vidéos de temps en temps comme ça quand je ferai de nouvelles enveloppes. Alors il y a plein d'autres manières hein, de décorer ces enveloppes, du serviettage, avec du collage. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et comme je le disais, ça fait partie du courrier créatif, je trouve, que de recevoir une jolie enveloppe décorée. En tout cas, moi, j'aime le faire et j'aime en recevoir. N'hésitez pas à me laisser en barre des commentaires des questions si vous en avez et puis me dire si vous aussi vous aimez décorer vos enveloppes pour vos envois créatifs. Merci beaucoup en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives et puis prenez soin de vous. Allez, ciao!